The game is easy. Kill or be killed. Salut à tous et à toutes, c'est Tommy, on se retrouve pour le troisième Let's Play de Rage. Donc, troisième Let's Play, je m'étais arrêté juste à la fin de la mission où j'avais récupéré, remis l'antenne et vu le cadavre pour la vieille. Donc lui, il va être content, voilà, je vais récupérer son antenne. Et il me donne un magnifique fusil à pompe. C'est génial. Et elle, je sais plus que. Ah non, on va me dire d'aller chercher les courses. Mais j'espérais qu'il reviendrait. Ce monde est vraiment impitoyable. Mais merci d'avoir cherché. Voilà ce qu'il vous fallait, ainsi que les instructions pour faire des bandages. Bon, par contre, dans les courses, il va falloir que je te rachète des lunettes. Hein. Ça craint vraiment. Ça fait deux épisodes que t'es comme ça, ça peut plus durer. Hein. Ça commence limite à être désolant. Vous avez obtenu votre première recette de fabrication. Donc là, je vais vous montrer, voilà, bon, ça monte tout seul. Donc on peut créer des bandages. Donc en l'occurrence, c'est pour se soigner. Avec les objets qu'on ramasse à gauche et à droite, après, ça fait une petite notion RPG. D'abord, un petit conseil. C'est coller une grouille de tribu. Ça fait une petite notion RPG, justement, en ramassant les objets, on peut les combiner afin de justement faire des objets des bandages. Des voitures télécommandées explosives, des tourelles, des araignées robotiques qui vont aller tirer sur les ennemis, etc. On verra ça plus tard dans la suite du jeu, de toute façon c'est fait exprès, on verra tout ça par la suite. Donc là on reprend le quad et on retourne à la maison pour donner des news au monsieur Lunette. Toujours sympatoche les passages en quad. Ça change la linéarité d'un FPS lambda. Bien joué. Je commence à croire que j'ai bien fait de vous sauver la vie. Ah oui, on a encore heureux qui m'a sauvé la vie. Mais comment on aurait fait sinon pour jouer? Allez donc parler du buggy à du. Oh yeah, le buggy, ça va être du bon ça. Dans le Let's go. Parler du buggy. Buggy. Après dans l'aventure, au bout d'une minute, je sais plus, enfin on verra. Mais on aura accès aux Wingstick qui sont justement la possibilité de lancer des espèces de boomerang. En fait, ce buggy il est pas si mal. Boomerang qui charge des amis qui sont assez efficaces. Moi je peux le réparer. Donc on verra ça par la suite. C'est à toi de les trouver. Va voir Johan au camp Outrigger. Ok, j'attends que tu me ramènes ces pièces. Ok, on va reprendre le code et on va aller là-bas. Let's go. Donc là je crois, si je me rappelle bien, on va retourner sur la zone où on était dans la deuxième vidéo. Enfin non, d'abord, ah oui c'est vrai, non, on retourne dans le camp et après je prends vers. On va nous dire, ouais mais non il faut des objets. Hop là. Salut l'ami. C'est lui qu'il faut parler? Non, c'est le mécano, voilà. Durard a besoin de pièces pour son vieux buggy. Ce truc est beau pour la casse. Mais pas que je veux pas vous donner les pièces, mais j'ai comme un petit problème. Les bandits ont pillé mon garage. Et ils ont embarqué quasiment tout mon stock. Vous en avez besoin. Je vous conseille d'aller à leur repère. Près du vieux barrage. Mais j'y compte bien. C'est parti. Capable. C'est risqué d'attaquer les bandits sur leur territoire. Ouais non, même pas peur. Ok, j'ai récupéré des méga bastos, vous verrez par la suite et les utiliser pour vous montrer la puissance de ces munitions. Là, en l'occurrence, j'en ai 12.
Donc hein, comme son nom l'indique, hein, Mega Bastos, hein, c'est des Mega Bastos. Ça, ça désingue de l'ennemi. Tout bien tout honneur, hein, ça fait juste des trous, un gros trou dans le corps. Ça fait toujours plaisir. Donc là il y a encore les ennemis de tout à l'heure, enfin de tout à l'heure, l'autre let's play en l'occurrence. Bon là ils vont pas faire long feu. Voilà, alors lui même avec son casque en métal vous avez vu hein, il est passé à la casserole. Voilà, alors lui j'ai mis une balle dans le cul. Je récupère tous les objets hein, comme je vous ai dit, après on va pouvoir crafter, enfin crafter ça c'est le mot. Le mot compliqué, mais on pourra créer des objets en tout genre selon ce qu'on aura ramassé par la suite comme patron. Donc là, on va récupérer, bah, je ne sais plus quel objet qu'il voulait le monsieur. Ah oui, je m'en rappelle de ce passage, c'est un genre d'instance. Vous voyez comme quoi son casque. Hein. je vais garder les méga bastos parce qu'il va en avoir besoin par la suite. On va s'amuser avec le fusil à double canon. Et on va y aller. Donc là on rentre dans une pseudo instance. Hein, voilà, comme il est écrit, Wasted Garage. Donc c'est le garage du repère des bandits. Sinon non, on va garder pistolet, mais je vais passer en mode... En mode pas méga basto, je sais plus comment on fait, voilà. 16 balles. Ouh, je vais aller loin avec ça. Nanana, nanana, nanana. Piti 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 piti. Ok. Paquet. Mais j'en veux pas de matériel, moi je veux des barreaux. S'il vous plaît, des barreaux. Voilà, donc là, je crois que j'ai assez d'objets pour déverrouiller voilà, la meule. Donc, je vais en créer une pour vous montrer. Donc là, j'en ai créé une via le fabriquer. Et on va pouvoir l'utiliser pour déverrouiller la porte. Mais le verrou justement, bon là c'est fait exprès, hein, c'est un tuto qui va nous amener par la suite par le passage là, voilà. Donc là, on va essayer de prendre notre train quand même, un petit peu plus efficace. Hop. Hey putain, il lui faut 3 cartouches lui. Il a tout compris, il a free. Bon ça je suis là, non je suis pas là. Bon, après je sais pas ce que ça donne, hein. Moi je rush, ouais, je suis un peu mon bourrin, je l'ai fait hein, mais à mon avis dans les autres modes de difficulté faut pas trop jouer mal. Hein. Donc là je connais hein, donc c'est vrai que j'y vais pas trop à tâtons. Dans les prochaines vidéos, oui, effectivement, j'irai un petit peu plus doucement. Il a plus mal aux dents. Ah, voilà, là je commence à avoir mal. Je vais pas utiliser le bandage parce que la vie remonte quand même assez vite. Il faut vraiment les utiliser en cas d'urgence, lorsque vous voyez plus rien à votre écran et que vous êtes blessé à mort. Je les utiliserai plus tard. Hein. À mon avis, j'en aurai peut-être besoin si je continue à jouer le bourrin comme ça. Oh, il a fait de la capoeira. Voilà. Je me dépêche parce que je sais comment va se passer la suite. Donc j'aimerais bien placer dans ces un quart d'heure encore. C'est vrai que avec les deux premières vidéos, ça n'a pas suffi à YouTube pour me dire que je peux uploader des vidéos 30 minutes. Donc je vais continuer encore avec mes 15 minutes. Mais t'arrêtes de... Mais... Oh putain, oh putain. Tommy, bon là je vais utiliser mon bandage, voilà, vous avez vu, tac, je suis passé direct soigné, 100%, c'est génial. Par contre toi, voilà, hop là, tu m'embêteras plus comme ça. Donc je continue à ramasser les... Toi mon coco. Oh, il venait carrément avec une trancheuse à jambon. Voilà, ça c'est fait. Coucou. Vous voyez, hein, bon après, ça dépend, non, je vous disais que l'IA était bonne, mais après, bon, on est déjà en mode normal, donc on peut quand même donner quelques points bah, en moins sur l'IA. Hein, elle est faite quand même
plus facilement afin bah et en gagne d'ailleurs quoi. Non. Elle est faite de façon à ce que bah, vous ayez pas trop de mal. Il me reste plus que 3 chevrotines, je sais pas trop galérer pour la suite. Voilà. J'aimerais bien qu'il me donne des chevrotines. Non, il me donne des balles de pistolet. Ils sont sympas, mais j'en veux plus. Donc il me reste plus de chevrotines. Ok. On va passer en mode double canon. Il me reste 4 minutes. Ça va être génial. À mon avis, je vais pas avoir le temps. Ce qui est ma foi dommage. J'aurais bien continué sur la fin de cette mission. Je ne vous dis pas ce qui se passera à la fin. Bosch TV, on verra par la suite ce que c'est. Hein. C'est une émission spéciale, un peu spéciale. Ah putain, j'ai plus de chevrotine, je me disais pourquoi il recharge pas. Attendez, je reviens. Voilà. Et voilà. Ah non, c'est une très mauvaise idée, Tommy, de. On va arrêter de switcher d'armes comme ça. Voilà. Hein? Mais ta maman? Bon, bah je suis. Voilà, je vais utiliser le défibrillateur. Première fois que je vais l'utiliser. J'ai voulu jouer le kéké. Voilà, vous avez pu voir, hein. Il y avait deux ennemis sur moi. Hop, électrocuté. On n'en parle plus. On parle lui qui, apparemment, n'avait pas encore perdu tous ses points de vie. Il reste encore un ennemi, je crois, au fond. Donc, comme quoi, le défibrillateur, ça sert assez. Bon, je vous avais pas, à mon avis, on a fini. Je sais pas s'il y a une jauge de. Bah, je suppose qu'il y a une jauge de rechargement du défibrillateur. Mais je sais pas trop comment ça se passe après au niveau du défibrillateur. Aïe, 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 aïe. Bon, vous avez vu quand même, hein, les points de vie, ils descendent assez vite. Je me suis fait bourriner. Bon, je me suis fait assez bourriner, on va dire. Mais ça empêche pas que. Ils sont quand même assez descendus vite. Et donc. Ce qui relève quand même le challenge, puisque je suis tout de même au début du jeu. Et bah par la suite, ça va se corser et à mon avis, ça va pas s'améliorer. Bon, moi, je prends tous les objets, hein, comme je vous ai dit. Je suis collecteur professionnel d'objets. Non, ok, il veut pas crever lui. Tu vois quand tu veux mourir? C'est bon, t'es mort. Là, effets spéciaux, on débranche et oh, ça fout le feu et paf. Bon là c'est désolé hein, c'est pas effet, pas vraiment un effet de surprise pour moi. La première fois j'ai sursauté, j'ai eu un coup de flip et bon, ma foi c'est assez efficace. Aïe aïe. Ouais, c'était pris une balle dans la tête, à mon avis, ça a pas dû lui faire du bien. Ça a dû lui déranger 2 ou 3 neurones. Quelque chose d'assez fameux. Il reste 1 minute. Ah, je vais peut-être pas avoir le temps. Où suis-je? Si je peux me dépêcher. Non, je pourrais pas. Je vais vous garder pour la suite des événements. Bon, malgré que j'aurais bien voulu le faire, mais si là je commence le combat, ça va. Je pourrais pas finir et bah, ça va couper le rythme, ça va pas être marrant. Donc je vous dis bah, à plus au prochain épisode et n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner.